La maison de Dieu. On attend le de la maison de Dieu. Pas ici, mais c'est l'église. C'est la maison de Dieu qui joue. Aïssa. Hein? Comment? Un endroit où les gens s'assoient pour adorer le Seigneur. Et quelqu'un s'appelle, ça on acclame le Seigneur. Et toi, qu'est-ce que les livres? Allez, la maison de Dieu. Et partout. En grec, la grec, c'est une langue. Ça veut dire comme le français, il y a une langue qu'on appelle la langue grecque. Ça boule ou les grecs en ma boule. Donc la Bible a été écrite dans cette langue-là, le Nouveau Testament. Et le Saint-Esprit a utilisé le mot ecclésia. On parle de l'église. Donc ecclésia veut dire une assemblée des gens qui sont réunis. Et cette assemblée peut être une assemblée politique comme une assemblée des croyants. Et maintenant, le mot proprement dit en français, dans le sens de la Bible, Ecclésia veut dire des personnes qui sont appelées par Dieu pour sortir hors du monde. Ça veut dire mise à part pour Dieu. Mise à part par Dieu. Dieu les a appelés à sortir hors de. Ça veut dire qu'il y a des plans, il y a des noirs, il y a des anglophones, il y a des français, il y a des mauvais, il y a des grossiers, il y a des bêtés. Dans les familles, dans les pays que Dieu a appelés à lui. La première année, ce matin, nous sommes ici là. Nous sommes plusieurs ethnies qui sont réunies parce que Dieu nous a appelés hors de ce monde. Donc l'église veut dire les personnes que Dieu a appelées de sortir de ce monde pour appartenir à Jésus. Des sommets de femmes qui ont été sauvées, lavées par le sang de Jésus-Christ, et qui appartiennent, et qui vont mener une vie de glorifier Dieu. Donc ce matin, vous êtes ecclésia. Il y a des personnes qui sont rassemblées ce matin, mais qui ne sont pas églises de Dieu. Et que nous sommes églises de Dieu. Parce que nous sommes sauvés par Jésus. Jésus nous a pardonné. Chacun de nous, tout ce qui était avant. Il y a des gens qui étaient des volets de ça ici. Avant, il volait très bien, mais aujourd'hui, Jésus l'a arraché de ce vol-là, il est devenu quelqu'un de correct. Il y a d'autres qui étaient des professionnels de chercher femmes, chercher garçons. Pourquoi dire aujourd'hui, Jésus vous a appelé à sortir de tout cela pour l'appartenir. Jésus vient chrétien. Il y a d'autres qui dansent les combien, voilà, ça c'est du voisin. Jésus a appelé toutes ces personnes-là, que vous êtes devenus son peuple, ses enfants.
Qu'est-ce que l'Église? Et ta vie doit être un témoignage de suivant. La première vie m'a tombé cassé tout. Si tu marches avec l'Éternel, ton Dieu qui t'a appelé, Jésus-Christ. Ton Dieu te promet ici bas la santé, la guérison, tout ce qu'il te faut. Et plus grand que cela, la vie éternelle. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu es très important. Donc, pour parler de l'Ecclésia, nous allons lire Jean chapitre 15, verset 19. Vois ce que Jésus a dit qu'il nous a choisi pour l'appartenir. Il nous a choisi du milieu de ce monde. Jean chapitre 15, verset 19. Quelqu'un peut lire, sinon je vais lire, On écoute. Si vous étiez du monde, Jésus dit à ceux qui l'avaient appelé à lui, il dit si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Il dit le monde va aimer ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Il dit, mais parce que vous n'êtes pas du monde. Et que je vous ai choisi du monde. À cause de cela, le monde vous aime. À cause de cela, le monde vous aime. Et quelqu'un dit amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Il dit que nous ne sommes plus du monde. Le monde existe, c'est-à-dire il y a un système de vie qui n'honore pas Dieu. Le monde existe, ça veut dire qu'il y a des personnes, il y a des familles, il y a des pays où que les filles n'ont pas la volonté de Dieu. C'est contrôlé par le diable. Il dit que nous étions auparavant là-bas. Mais Jésus nous a choisi. C'est pourquoi le monde ne nous aimerait pas, le monde ne nous aime pas. Le monde va aimer ce qui est à lui. La preuve, avec les filles, elle m'a dit toujours du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de problème. À minuit, ça joue, il n'y a pas de problème. À 3h du matin, les gens dorment bien. Comment ça fait qu'ils veillent en tant qu'église? Ils vont commencer à diminuer. Et la réunion On voit les voitures qui font la publicité des poissons,
les publicités de cigarettes, là, qui viennent au quartier ici, ils vont mettre la musique à 80 degrés à l'air. Et votre communication m'a dit, on a été débattu de la partie de l'État, 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 de il y a des mystiques dans les quartiers, des marabouts et tant d'autres personnes qui se couchent avec les femmes. On connaît, on les voit. Les gens font au courant, ils violent, ils font tout, mais on ne parle pas. Mais ils n'ont qu'à voir un passer dans un noir. Le lendemain, tous les journaux sont déjà pris. Ils racontent n'importe quoi parce que l'église n'est pas du monde. Donc, le monde n'a pas été pour l'église. Et nous nous vont transformer, escroquerie, passer, si tu dis les chrétiens là, en oubli, vous nous laissez les papas passer, vous nous laissez les papas passer. Tu commences à critiquer, pourquoi le monde n'a jamais aimé ce que l'Église fait. Eric Macri, Dunia Pora, Sain, et Zoula, Getalena, Pabon, Zoula. Mais pourquoi toi tu es là, pas que chrétien? Tu veux plaire à toute ta famille, tu veux qu'on parle de toi, hein? Si tu n'es rien hors de Jésus, il faut te rejeter. Si tu n'es rien hors de Jésus, ta famille va te mépriser. Si tu n'es rien hors de Jésus, ta famille ne fait rien avec toi. Toi, tu n'as plus de famille. C'est l'ennemi de Dieu qui dit qu'à ta famille véritable, ils vont plus t'aimer. Sauf si tu fais la même chose que eux. Arena Kirikna Prenge, Punyam Nenaka Ketu Nongo Awoku. Apa Kumanda Bumba Power Bassi Kitamana Paiko Nongo Bissatu. So I get the Punya Renda. Si vous êtes du monde, le monde aimerait ce qui est ta vie. Punya Nonga Siarenda. Mais parce que ce n'est pas du monde. Ayam Punya Renda. Que le monde vous aille. Et il a Punya Banoyama. Et que je vous ai choisi. Arrête ma mère Kayamba. Du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous aille. Du milieu de ce monde, c'est à cause de cela que le monde vous aille. Ce n'est pas parce que tu fais mal. Vous connaissez tes amis. Et nos frères, la plus forte, ils étaient des cigares. Ils sont là de l'autre côté. Souvent, quand ils sont de l'église, moi je le sais. Il y a des frères qui disent, mais où tu étais? Vedi dire ancora bene. Il ne fait pas l'église, il est dans les choses du monde de tuer là. C'est là qu'il s'en fait. Ça se moque. C'est normal. Si quelqu'un se moque de toi, parce que tu es sorti de l'église, parce que tu fais des choses de Dieu, c'est normal. Même ton mari, même tes enfants ne sont pas convertis, ils ne vont pas aimer ce que tu fais en tant que chrétien. Vous attendez toutes les paroles là. Pourquoi le monde va pas aimer ce qui n'est pas de lui? Et on a vu celle-ci, la sœur Tofa, elle est pleine de la mère. Au moment où la mère, son magasin vendait
de l'autre côté, comment on appelle le problème? Ça va être un problème. Et pendant le corona, ça c'est compliqué parce que les clients ne venaient pas. Le magasin en train de qu'on appelle le loyer. Elle nous poussait avec les gens. Non, mais est-ce que le mois a passé, les mois qui sont passés, je n'ai pas travaillé pour que je puisse continuer. Non, 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 non. Moi, je comment il va jamais faire ça. Lui, tout ce qu'il cherche là, c'est de la chasser pour qu'il puisse récupérer le magasin là. Quand elle a compris, un moment commence, elle a commencé à traverser des moments terribles. Très difficile parce qu'elle a perdu son boulot, elle a perdu son magasin. L'important qu'elle avait même, dans ça, moi j'ai dit un comptable, on dit qu'il nous fait un. Donc elle m'a donné un comptable et elle a distribué aux gens. Elle est devenue fille. C'est maintenant qu'il va commencer au produit. Et c'est vrai, quand il voit ça, il dit petit désert. Dieu, le même Dieu qui t'a appelé, il va te restaurer au nom de Jésus-Christ. Le monde n'a jamais aimé ça. Ils ne vont jamais aimer ce qui est à Dieu. Nous, il y a des gens qui ne sont pas les vies, ils souffrent plus qu'ils font. Je vous dis la vérité. Ils souffrent, ils n'ont pas à manger, ils n'ont rien. Et les gens ne parlent pas d'eux. Mais ce toi qui vient à l'église là, ils vont commencer à critiquer. Parce que tu n'es pas du monde. On parle de texte. Qui a vraiment Kahal. Et il m'a dit Kahal. Qui a quoi Kahal? La vie est la base. C'est-à-dire quand les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ça veut dire qu'il fait quand même avec moi. La Bible les appelait Kahal. Et vous n'avez pas la bonne m'a dit Kahal. C'était une assemblée des personnes qui appartiennent à Dieu, qui partaient dans la terre promise. Ya nepsu da ditaba ya wena muso ndarezi ninga wena mkhaba sino makompelile episode 7 verse 3 ben karmenda episode yo kwe verse 5 episode 7 verse 3 episode yo kwe verse 5 compelile aussi acte 7 verse 38 ben karmantu yo kwe verse 20 dani acte 7 verse 38 tum yo kwe. Quelqu'un a trouvé à 7 quand vous avez fait la lecture. Israël, avant l'église, était aussi appelé assemblée de Dieu. Était appelé une assemblée qui appartient au Seigneur, qui partait dans la terre promise. Et là, bravo, on va mettre sous le lit. Et il y a un âme sous, d'aller dire, on a fait une table aux instruments. Disons, à 7, le verset 38. Au mieux, oui. Merci. Pitila et Isala Yoube. C'est la lecture, il faut faire la lecture. Même sans même qu'à maman, à rien. Il va à qui c'est. Acte 7, verset 38. On dit c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert. Il dit c'est lui, lors de l'assemblée, quoi? L'assemblée au désert. Je répète après ça. L'assemblée dans le désert. L'assemblée dans le désert. L'assemblée au désert. Donc, à Kahal, il dit qu'il a assemblé. Continue. Étant avec l'ange qui lui parlait. Donc, cette assemblée est avec l'ange qui lui parlait. C'est le terrain qui lui parlait. Qui parlait à Israël. Sur la montagne de Sinaï. Et sur la montagne de Sinaï, on s'arrête là. Donc, Israël s'arrête là. Israël est appelé une assemblée. Et là, c'est Israël est un bonhomme qui souligne. Comme l'Église est appelée une assemblée des croyants. Et moi, je vois mon Dieu qui est le souligne. Nous sommes une assemblée des chrétiens. On y a qui est le souligne. L'Église est une assemblée des personnes qui sont sauvées par Dieu.
Nous sommes une assemblée. On y a souli. Parce qu'on n'est pas un. Ce plusieurs personnes qui sont réunies. La compagnie est belle, les bousons. C'est plusieurs personnes que Dieu a choisi. Les bousons qu'on a enseigné. C'est ça qu'on dit église. C'est nous qui sommes l'église. C'est toi et moi, et tes frères et sœurs qui sommes là. C'est nous qui sommes l'église. Nous sommes cette assemblée que Dieu a choisi. Et nous venons de tout, nous venons de quatre côtés du monde. La compagnie est belle. Et nous sommes l'assemblée. On y a sous lui. Comme Israël était une assemblée pour Dieu. Ouais, Israël est, il y a sous lui un peu de tour. Mais c'est pas là, l'église n'existe pas en tant que tel. La voix attend pas de moins de haut, pas de haut. Alors, Kahal, qui était l'assemblée des Israélites dans le désert. Et Kahal demandait, il était demandé sous le. Oui, au moins. Mais l'église problématique n'existe pas encore. C'est l'être qui t'a de Dieu lui-même, Jésus-Christ. Ça parlait de l'Église comme une réalité à venir. Jésus parlait de l'Église comme quelque chose qui va venir plus tard. Jésus a dit que j'ai baptisé mon Église. Et dans quel temps les élèves, j'ai baptisé mon Église, quel temps? Le verbe bâtir, je n'ai pas tiré. Dans quel temps? Au futur, ça dit que ce n'était pas encore arrivé. Et à vous, tu n'as pas ta. Alors nous pouvons lire à Matthieu 16, verset 18. Pour voir comment Jésus a dit qu'il va partir sur l'église. Et bien, à Jésus, il est dans la main où il doit. Avant que Jésus ne vienne mourir et ressusciter, l'église n'existait pas encore. L'Église proprement dit dans le sens que nous voyons n'existait pas encore. Quelqu'un peut lire Matthieu 7, verset 18. Oui. À votre voix, laissez-le savoir prendre. Non. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16. Et moi, je t'ai dit, voilà, c'est ça, que tu es Pierre. Tu as trouvé? Moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Et que si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Et que si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Et que la porte de séjour des morts ne répondront pas. Point. Et que les portes de séjour des morts ne répondront pas contre elle. C'est bon. Alors, c'est Jésus qui parlait. Il y a Jésus qui est comme ça. Il dit, moi, Jésus, je bâtirai mon église. Il dit, maman, Jésus n'a même point de haut. Il dit, moi, je te dis que toi, tu es Pierre. Maman, il a dit qu'il y a un couple. Et sur cette pierre, d'autres Bible dit, sur ce rocher. Il y a des pierres. Ça veut dire que ce n'est pas sur Pierre que Jésus va partir l'église. Toi, Pierre et moi, son tombeau se trouve à Pierre. Nous, on ne sait même pas où ça y est. On n'a même pas besoin de savoir où ça y est. Aïe, il y a Pierre, il n'y a plus de la même window. Quand je dis que Pierre, c'est cette pierre, dans la vraie tradition, ce n'est pas le mot Pierre qui est écrit, c'est écrit sur ce rocher, sur ce roc, et je bâtirai mon église. Donc l'église de Jésus est bâtie sur la révélation que Pierre a donnée. Pierre a dit à Jésus qui est fils de Dieu. Pierre est là, Jésus, il y a un ambiga. Tu es le fils de Dieu. Il y a un ambiga. Tu es le Christ, le fils de Dieu. Il y a un ambiga. Vivant. Un vivant. Donc, ceci la révélation qu'il avait. Il y a bien un ambiga. C'est cette déclaration que Pierre a donnée, que le Père lui a communiqué. Il y a bien un ambiga. Que Jésus dit. Ah, Jésus, il y a. Toi, tu es Pierre. Jésus se roca. Aussi à Google. Jésus se rocher. Aussi à Pire. Tu as dit la déclaration que tu as fait que je suis le fils de Dieu vivant. Pourquoi tu y es prêt à vous dire que je suis le Messie? Je vais bâtir l'église sur cette révélation. Je vais construire mon église sur cette révélation. La révélation que le Père t'a donnée. Que je suis le Messie. Il faut y apprendre. C'est moi Jésus qui suis le Messie. Il faut y apprendre. Et je suis le fils de Dieu vivant. Bien, oui, non, sur cette révélation. Bien, sur ce caillou. Où, sur ce roc.
J'ai construit mon église. L'église de Jésus est construite sur le roc, sur la pierre. C'était un homme. Il est mort et son tombeau se trouve à Qatar. Cette église était construite sur lui. Il était en danger. C'est la position de l'église catholique. Et il y a rien de catholique à bâtir. C'est pourquoi avant les choses avaient bâti l'église sur le tombeau de pierre. Il y a rien de catholique à bâtir l'église sur le tombeau de pierre. Satan que Pierre a donné la succession, ce sont les gens qui ont reçu le pouvoir de l'apôtre Pierre pour que l'église soit bâtie. C'est pourquoi l'église catholique, ça veut dire universelle. C'est elle que tu n'es pas dans cette église, tu n'es pas sauvé, ça n'est pas vrai. L'église, elle est bâtie sur Jésus. Elle n'est pas bâtie sur l'apôtre Pierre. Elle n'est pas bâtie sur l'apôtre Paul. Elle n'est pas bâtie sur un homme. Cette église est bâtie sur le maître. C'est le roi des rois. Jésus le rocher. Jésus le vainqueur. Son église est bâtie sur lui. Et là, tu vois, à partir du moment où tu vois, mais à qui qu'il y a Jésus. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Viens avec moi, je suis bâti sur l'église. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra. Ne peut rien contre l'église. Jésus l'a déclaré. Et moi je crois. Et moi je crois. Je déclare. Que tout ce qui se lève contre moi. Puisque je suis église. Je suis église de Dieu. Je déclare. Que ces forces. Ces esprits. Ces entités. Ne peut rien contre moi. Ne peut rien contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus l'a dit. Et je crois. Amen. Ma sœur, ça va bien. Déjà le moment que tu as traversé, le moment difficile. Si Jésus n'avait pas construit sur lui-même, il y a longtemps qu'il était parti. Quand on se voit lui. Maman dit, c'est pas vrai. Maman dit, c'est pas vrai. 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 C'est pas vrai.
lorsque je suis construit sur Jésus, alléluia, ça m'applique en joie. C'est pourquoi moi je n'attends pas rien. Je rêve et je marche parce que je sais à qui j'écris. L'apôtre Paul dit, je sais à qui j'écris, je sais à qui je dis ma foi. C'est Jésus, ma autre personne. Et Jésus, le Fils de Dieu vivant, le Messie, il m'a battu sur lui-même. Il m'a donné sa force, il m'a donné son énergie. Ma force ne vient pas d'ailleurs. Ma force ne vient pas des jeunes. Ma force ne vient pas des veillées. Ma force ne vient pas des études. Ma force vient de mon maître. Jésus m'a battu sur lui-même. Je suis Christ et je suis celui qui m'a battu. Oui, rien ne fait contre moi. Oui, j'ai grand de chrétien. Ça a pris de peine à ça. Et qu'est-ce que l'église? C'est toi que tu as appelé. C'est ton frère que tu as appelé. Parce que c'est l'Église de Dieu. Je vais le bénir au nom de Jésus-Christ. Amen.
chapitre 4.